Et t'as pas les difficultés pour mettre un producteur suite éventuellement à ce jour. Par rapport à ce moment, quand tu parles un jour, par contre, la barouette, ça a changé, ça a pas d'évoluer, ça peut pas être possible. Quand on dit un jour, la barouette, c'est un peu plus simple, ça peut être capable de gérer aussi la partie de la route, par rapport à ce moment. Du coup, comme ça, on met tout dans l'héritage. Et je pense que c'est un peu le temps que tu as eu de pouvoir te placer ton besoin professionnel. Aujourd'hui, si ça marche bien, c'est bien le plus tôt parce que c'est
Bonsoir, je me posais une question. Là, dans ce que tu présentes, en fait, le but, c'est d'afficher le plus possible la page de l'utilisateur pour aussi de la rendre dynamique. Vous avez mesuré la latence qu'il y a entre l'affichage et la première action que l'utilisateur peut faire. On n'a pas mesuré très rapide l'étape de l'interprétation de l'app. On n'a jamais vu aujourd'hui. En fait, le principe, c'est quand on a. Justement, on revient par justement le principe, et puis on dit pour l'hydratation. Est-ce que le temps de cette hydratation, le temps peut commencer à tomber, est-ce qu'on a un peu de temps? En fait, si la hydratation est toujours pas à côté, puis qu'il n'y a rien, il va y avoir un rechargement par là. Parce que si c'est un rechargement par là, il ne peut pas avoir un peu de temps, parce que c'est un est-ce que le site est utilisable avec le JS coupé? Avec le JS coupé. Avec le JS désactivé sur le JS. Tu récupères le template HTML, tu désactives JavaScript, tu vas sur cette page de statique, et tu pourras effectivement tout ce qu'on a mis, ça va remercier le requête serveur et ça va être un mode d'utilisation. Pas pour ça, mais pour tous les comportements plus dynamiques. La question, c'est si vous voulez une base pour la première page, il va faire quelque chose, mais si vous voulez une autre page, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est pas quand je dis la première page, c'est la première page sur laquelle l'utilisateur arrive. Donc, c'est pas pour ça, par exemple. C'est une page juste pour la page principale, et quel que soit l'URL, on a le point d'arrière pour l'utilisateur. Hop, c'est un point d'arrière, en fait, on a un retour pour le point d'arrière, et c'est quelque chose qui est serveur. Et donc, c'est capable pour refaire ce travail, c'est plus sur la page. J'ai une question, désolé, un peu vaste. Dans quel cas tu recommanderais